Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour ce nouveau point Forex et matières premières avec donc une paire de devises euro-dollar qui continue à osciller ici autour de sa zone des 1.1645. Nous avions donc une zone de support ici, la zone des 1.1530. Les rebonds se poursuivent hein, au-dessus, donc dès qu'il y a un contact sur ce niveau, eh bien, nous pouvons constater qu'il y a des rebonds qui se mettent en place. Toutefois, ce que nous pouvons constater, c'est que ce support ici est de plus en plus testé, ce qui pourrait nous amener ici une prochaine cassure, d'autant plus que les points hauts hein, qui se succèdent par rapport justement à ces précédents tests, eh bien, sont eux aussi de plus en plus bas. Donc on peut s'attendre ici à une prochaine cassure si toutefois les cours venaient à se repositionner ici au-dessus de ce support. Si tel était le cas, eh bien, il y aurait donc un signal de poursuite du mouvement baissier qui avait été ici impulsé par cette dynamique qui pourrait nous emmener sur des nouveaux plus bas significatifs liés à une vue d'Elie avec notamment d'un point de vue moyen terme un possible retour ici sur une zone des 1.0850. Sur l'or, nous avions défini suite à la rupture ici des 1262 $ l'once un objectif à 1245. Et bien cet objectif a quasiment été atteint hein, puisqu'il s'agit de très peu de choses. On a marqué un rebond ici qui est juste venu tester ici le retracement, la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc petit rebond technique qui est revenu, qui a permis donc un retour ici sur cette zone de support, qui a donc marqué une cassure. Donc nous validons la poursuite du mouvement baissier. Nous avons ici une zone de point bas majeure qui se situe à 1236,40 $ l'once. Si ce niveau était cassé, là aussi il faudrait repasser sur une vue un peu plus long terme pour définir les prochains objectifs qui pourraient se situer notamment sur la zone des 1218,70 $ l'once en cas de rupture donc de ce précédent point bas significatif. Et puis sur le WTI, suite donc à la rupture ici haussière des 72,90 $ le baril, eh bien nous avons eu un mouvement de retour ici donc sur l'ouverture hebdomadaire qui est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant une confirmation du mouvement hein, puisque les courbes testent vraiment la zone et poursuivent ici le mouvement. Donc nous avions tracé une extension de Fibonacci qui définit l'objectif ici de cette phase d'évolution qui se situe à 78,75 $ le baril. Donc c'est toujours l'objectif lié au mouvement actuel. Niveau d'invalidation se situe ici sur cette zone des 69,27 juste sous l'ancienne résistance qui pourrait devenir support des 69,50 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.